Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDC-RDA, intensifie ses efforts en vue des élections présidentielles de 2025 en se concentrant sur sa jeunesse. Après les journées d'orientation des nouveaux militants jugés satisfaisantes, le parti, sous la conduite de son secrétaire exécutif, organise des rencontres avec les jeunes militants. Ces échanges visent à préparer les prochaines missions de terre dans le but de maximiser les échanges, de reconquérir le pouvoir en 2025. Et puis le nouveau pont de Vonkoro, situé à environ 30 km de Beaunoir, est désormais opérationnel, reliant cette localité aux villes voisines du Ghana. Cet ouvrage remplace les anciennes pirogues et bacs usés, améliorant ainsi la sécurité et la fluidité des déplacements. Inauguré en mars 2022, ce pont facilite non seulement la traversée entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, mais il contribue également au développement économique, agricole et touristique de la région. C'est la fin de cette randonnée de l'information. Merci de votre attention.